Allez, un 3, 2, 1, top. C'est toujours un moment magique, la municipalité met les moyens, les illuminations incluses, c'est plus d'un mois de préparation. Aujourd'hui, nos illuminations sont 100% LED, les illuminations de Clus, c'est plus de 300 motifs. Voilà, cette année, donc 100% de nouveautés en centre-ville, donc sur la Grande Rue, sur la Avenue de la Libération, et aussi 100% de nouveautés sur la Sardaigne. C'est super, super beau, comme tout le temps, comme toutes les années. Les enfants sont heureux. Voilà, les enfants sont contents. On est là aujourd'hui parce que nos dirigeants mondiaux sont réunis pour mettre en place l'accord sur le climat qui a été décidé en France à Paris en 2015. Il faut absolument qu'on agisse très vite et qu'on agisse dans la solidarité. Il faut que la transition énergétique soit aussi solidaire. Elle ne peut pas se faire en laissant des gens sur le bas-côté. Ici, on est au cœur de la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve est très touchée par les problèmes de pollution atmosphérique. Donc c'est symboliquement, on a décidé cette fois-ci de faire ça à Cluse. Je pense que les leaders mondiaux ont besoin de sentir qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la question climatique. C'est absolument important de leur montrer qu'on est là et qu'il y a ces mobilisations-là. Cet hiver encore, l'Office de tourisme intercommunal vous propose d'acheter vos forfaits saison de ski à tarif promotionnel, donc sur nos stations de proximité qui sont aussi familiales. Ce sont les stations de Mont-Saxonnet, du Reposoir et de Rome qui se situent toutes à peu près 15 minutes en voiture de Cluse. Mais également, vous bénéficiez, donc si vous achetez vos forfaits durant le mois de décembre, de coupons bons plans offerts sur des activités comme une entrée à la piscine et au musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse, ainsi que des forfaits gratuits sur nos stations de proximité et sur le domaine nordique d'Agy. Bonne saison d'hiver à tous et à bientôt sur nos villages!